salines, dont la salle à manger brune et parfumée, une odeur de vernis et de fruits. À mon aise, je ramassais un plat de je ne sais quel mets belge, et je m'épatais dans mon immense chaise. En mangeant, j'écoutais à l'horloge. Heureux et quoi ? La cuisine s'ouvrit avec une bouffée, et la servante vint, je ne sais pas pourquoi, fichu moitié défait, malinement coiffé. Mais, tout en promenant son petit doigt tremblant sur sa joue, un velours de pêche rose et blanc, en faisant sa lèvre enfantine une moue, elle arrangeait les plats près de moi pour m'aiser. Puis, comme ça, bien sûr, pour avoir un baiser, tout bas, sans donc, j'ai pris une froid sur la joue.